Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Science Group. En dessous de vous tous abonnés, cliquez là-dessus tout simplement. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, nous allons vous révéler quelque chose de vraiment grave, qui attaque beaucoup de familles, qui empêche l'homme de réussir, même les jeunes, de prospérer, d'être épanoui. Mes frères et sœurs, vous devez savoir toutes ces choses aujourd'hui. Quelle est cette chose-là? Si vous allez jeter un coup d'œil dans les titres, vous allez sans doute trouver. La chose qui détruit beaucoup de vies et qui empêche l'homme de vivre conformément selon ce que Dieu veut, c'est quoi? La sorcellerie. La sorcellerie. Est-ce que vous voyez ce bâtiment-là? Ce bâtiment-là représente une personne, un homme, un jeune homme qui veut réussir. Mais à chaque fois, quand il construit et qu'il arrive au premier niveau là, il y a des personnes qui viennent faire écouler tout le bâtiment. À chaque fois, quand il essaie de monter, il fait son effort, il veut monter. Il y a des gens, des groupes de personnes hein, qui travaillent nuit et jour. Pourquoi? Pour que lui puisse tomber. Ces gens-là, c'est qui? Ce sont des sorciers. Et les sorciers là, ce sont les représentants du diable. Et ces représentants du diable sont où? Dans nos familles, mes frères et sœurs. Ils sont dans nos maisons, dans nos quartiers, un peu partout. Vous ne pouvez pas imaginer, ils sont là. Alors, qu'est-ce que la sorcellerie? Si vous avez bien suivi la vidéo que nous avons faite hier, vous avez déjà la réponse à cette question. Mais laissez-nous vous reprendre, répéter encore, vous dire que la sorcellerie, c'est tout simplement, ou du moins un sorcier. Et pour faire dire un sorcier, pour qu'on comprenne mieux, c'est qui un sorcier? Un sorcier, c'est une personne comme vous et moi. Mais le problème ici, c'est que cette personne-là a livré quoi? Son esprit à Satan, au diable. Et cette personne-là a fait quoi? Accepter des démons en elle. Et ce sont ces démons-là qui la poussent à faire de mauvaises choses, à détruire les gens de la famille, même s'ils ne lui ont rien fait. Mes frères et sœurs, là, ça devient sérieux. Waouh! Et cette personne-là fait quoi? Des sacrifices au diable, constamment. Ça veut dire que dans la famille, si les gens sont 12, s'il y a 12 personnes dans la famille, elle va se mettre à faire quoi? Sacrifier l'un après l'autre. Mais en utilisant différents moyens de sorte qu'on ne puisse pas l'attraper. Parce que c'est la sorcellerie, ou encore le sorcier, c'est comme un tueur en série. Mais le problème avec ce tueur en série là, c'est que pour l'attraper, il faut utiliser des méthodes qui ne sont pas physiques, qui sont plutôt spirituelles. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que le sorcier est plus dangereux même qu'un tueur en série qu'on voit physiquement. Dans la mesure où, je vous l'ai dit, hein, en plus ils sont beaux. Personne ne peut s'imaginer que c'est lui. Vous allez le voir dans la famille, c'est lui qui offre beaucoup de cadeaux dans la famille. Il peut être même la personne la plus élevée, la plus riche de la famille. Oui. Personne ne va se douter que c'est telle personne qui a des problèmes dans la famille et qui empêche les gens d'avancer. Vous allez voir que cette personne va se mettre à faire quoi? Offrir des sacrifices aux gens. Et au diable, au fruit des sacrifices, à Satan, en permanence, toutefois. Et vous allez remarquer que dans la famille, quand une personne va se mettre à prier ou connaître Jésus-Christ, ah là 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 là, cette personne qui est sorcière, qui fait tout ça là, va se mettre à faire quoi? Combattre cette personne qui a Jésus-Christ qui prie. Combattre cette personne pour ne pas que cette personne-là détruit ce qu'elle a tenté de faire comme mission dans la famille. Mes frères et sœurs, nous devons vous révéler toutes ces choses. Et c'est cette personne-là qui va maintenant faire quoi? Signer des pactes avec le diable. Et dans ses pactes avec le diable, elle va faire quoi? Amener le diable à maudire tous les membres de la famille, tous les gens de la famille. C'est-à-dire, dès que lui rentre dans la sorcellerie, il va maintenant faire quoi? À maudire, c'est-à-dire va mettre le nom de chaque membre de la famille dans le canari de Satan.
Il va même écrire le nom de chaque personne de la famille dans le canari du diable ou encore dans le livre de Satan. Et les gens qui sont dans la famille, ils sont dans la famille, ils ont leur nom dans le monde des ténèbres, mais ils ne savent pas. Comme ils n'ont pas Jésus, ils ne savent pas. Ils font tout pour réussir, ça ne va pas. Ils font tout pour réussir, ça ne va pas. Vous allez voir que dans la famille, vous allez voir ce que nous allons vous dire là. Ça va vous réveiller les yeux un peu. Vous allez voir que dans la famille là, les gens ne meurent que de la tuberculose. Oui, jusqu'à les gens même disent que ça, la tuberculose, c'est une maladie familiale. C'est-à-dire, au lieu de combattre la chose, les gens commencent à accepter la chose de la famille parce qu'ils se disent que c'est normal. C'est normal, tout simplement. Waouh! Ils se disent que c'est une maladie de la famille, ça s'est transformé, c'est sanguin. Depuis quand Dieu a créé une maladie et il a dit que cette maladie-là, c'est pour telle ou telle famille? Vous avez vu ça où? Ce sont les sorciers qui font ça. Maintenant, les gens, comme ils aiment dire tout ce que Dieu fait, bon, ils vont faire quoi? Ils vont se mettre à accepter ça dans la vie et élever le satanisme ou encore les démons qui sont à la base de ça. Ça veut dire qu'ils vont devenir esclaves de la chose. Alors que c'est un sorcier qui fait ça. Et ce sorcier-là aura pour mission de veiller à ce que tous les enfants qui vont naître de la famille, qu'ils vont devenir jeunes, quand ils seront prêts à réussir, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre tout simplement à les enfoncer. Empêcher les jeunes de réussir. Tu vois pas que quand tu vas aller déposer ton dossier quelque part pour chercher du boulot, la nuit tu as dormi, tu as fait un songe, ou dans le songe, il y a quelqu'un qui va prendre le dossier là après pour jeter. Ou bien mettre ça dans la poubelle. Il y a quelqu'un, Dieu va te montrer ça un jour. Si tu pries, Dieu va te montrer dans un songe. Si tu fais un tel songe comme ça, où tu vois que tu es jeune, hein, tu cherches du boulot, quel que soit ton âge, hein, tu cherches du travail, tu vois, tu déposes ça quelque part et tu as remarqué que quelqu'un va prendre le dossier là pour jeter. Ce sont les sorciers qui font ça. C'est cette personne-là, c'est tout où? Dans la famille. Et toi, tu dois demeurer dans la prière, accepter Jésus-Christ dans ta vie, demeurer dans la prière et combattre la personne. Combattre la personne. Dans la prière, tous les jours de votre vie, vous devez combattre la personne. La sorcellerie existe. Et les sorciers, là, on ne peut pas les reconnaître facilement quand on ne prie pas. C'est seulement quand tu vas prier, Dieu va te révéler cela. Pourquoi? La sorcellerie, là, ce n'est pas écrit sur le front comme ça que quelqu'un est sorcier. Un sorcier, ça peut être un enfant. Ça peut être un jeune, un grand. Ça peut être tout le monde. Ton père, ta mère, ton grand frère. Le diable est partout. Le diable, il est rusé. Et il possède les gens. Et les gens qui possèdent, ce sont les sorciers. Les membres même de nos familles. Attention! Attention! Tu veux réussir, ça ne va pas. Tu fais tout pour essayer de joindre les deux bouts. Ça ne va pas. Cherche à savoir qui est dans ta famille, là, qui est un problème. Qui est le sorcier, la personne par qui le diable passe pour te faire souffrir comme ça? Parce que le diable passe par quelqu'un. Et ces choses existent. Je me demande s'il y a bien et bien une famille dans ce monde où il n'y a pas de sorcier. Parfois même, tu peux rentrer dans une famille où ceux qui sont dans la famille, là, ce sont des sorciers. Je vous le dis. Tu vas dans les quartiers, tous ceux qui sont dans les quartiers, ils sont des sorciers. Mes frères et sœurs. Et c'est la sorcellerie qui empêche les jeunes de réussir. T'as dit. C'est la sorcellerie qui empêche les jeunes de réussir. Et c'est ce qui est même à la base des problèmes de beaucoup de pays. Le pays, ce n'est pas la pauvreté dans le pays. Vous ne savez pas que le diable a des satanistes dans le pays qui empêchent le pays de progresser. Ça veut dire qu'il va falloir que le président de ce pays accepte Jésus-Christ. Afin qu'on puisse faire quoi? La délivrance de tout un pays entier. Parfois, ça va bien au-delà d'un simple sorcier. Hein? Ça va au niveau de quoi? Des princes du monde des ténèbres. Des princes du monde des ténèbres. Qui se trouvent où? Dans ce pays. C'est-à-dire, c'est un démon qui est là spécialement dans ce pays pour faire quoi? Il est dans ce pays et qu'est-ce qu'il fait? Il va veiller à ce que tous ceux qui se trouvent dans ce pays-là ne puissent pas réussir. Ou va vers ce que dans le pays, il y a des pauvres. Que des pauvres. Les gens ne réussissent pas. C'est le démon là qui fait ça.
et le président de ce pays doit accepter forcément Jésus-Christ afin d'ouvrir la porte à Dieu d'opérer facilement dans le pays. Et si vous voyez un pays où il y a beaucoup de sacrifices, les gens ne font que faire des sacrifices. Attention, 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 mes frères et sœurs, attention, c'est le diable qui fait ça, afin de plonger le pays ou dans le péché, ou encore d'attirer la colère de Dieu sur le pays. Si les gens n'adorent pas Dieu dans le pays, comment la bénédiction va descendre? C'est la question que je vous pose. Comment la bénédiction va descendre? Dieu bénit et c'est mérité. Si tu n'adores pas Dieu, tu ne loues pas Dieu, comment la bénédiction va descendre? Comment? Comment le jeûne va réussir? Et voici que le diable va enchaîner le processus, intensifier son action en envoyant maintenant quoi? La masturbation dans la jeunesse. La masturbation. Le jeûne, il n'a pas Jésus-Christ. Hein. Il est bloqué. Hein. Il essaie de réussir, ça ne va pas. En plus, il est dans la masturbation. Quand on lui parle de Seigneur Jésus-Christ, il dit oh, c'est pour les vieux. Quand on lui parle de venir à l'église, il dit oh, c'est pour les vieux. Alors que le diable est en train de travailler sérieusement sur lui pour le maintenir dans la souffrance. Mon frère, ma soeur, tu es jeune, accepte Jésus-Christ. Ça sera vraiment bien pour toi. Ça sera ce qui va te sauver la vie. Parce que le diable travaille sérieusement. Il faut que quelqu'un vous révèle toutes ces choses. Nous tous, nous sommes en combat contre le diable pour la réussite. Le diable ne veut pas voir l'homme heureux. Il ne veut pas voir l'homme réussir. Alors il fera tout ce qui est à son possible pour le plonger dans la souffrance, pour plonger les jeunes dans la souffrance. Voici une chose qui est à la base de la souffrance des jeunes et la raison pour laquelle beaucoup de jeunes sont au chômage aujourd'hui. C'est pas qu'il n'y a pas de boulot sur la terre. Hein. C'est pas qu'il n'y a pas de travail. Hein. C'est vrai, on peut dire qu'il y a des problèmes à ce niveau, mais en général, c'est pas ça. Si le sorcier sait que tu cherches du boulot là, et que tu vas te déposer ton dossier dans une entreprise, il va te précéder là-bas pour aller mettre fin à cela. Mais il faut avoir Jésus-Christ, il faut prier, il faut rentrer en jeûne. Cherche les hommes de Dieu, cherche de vrais hommes de Dieu. Parce qu'il y a des satanismes qui sont là-bas, qui pourront prier pour toi, te délivrer. Et confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. C'est lui seul qui va te délivrer de ces choses. Seul par la prière, tu vas découvrir qui est là-bas de ça. Tu vas te révéler qui est la personne au songe. Et tu seras délivré au final. Parce que Dieu n'aime pas que l'homme souffre. Mes frères et sœurs, le plan de Dieu pour nous, c'est quoi? C'est qu'on soit heureux. Alors, le Seigneur va t'aider dans ce combat afin de te délivrer et de veiller à ce que tu deviennes quoi? Heureux et épanoui. Je compte sur toi pour t'abonner à cette vidéo. Tu veux la cloche, ne pas manquer nos prochaines vidéos, car nos prochaines vidéos vont sans doute te réveiller les yeux sur les choses que tu ne sais pas et t'aider à mieux vivre, à mieux marcher et être épanoui. Mon travail aujourd'hui, mon rôle aujourd'hui, mon rôle, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois heureux et c'est ce que je veux pour toi. Soyez heureux les amis, avec le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, qui va apporter une délivrance totale de toute la famille, au nom de Jésus-Christ. A bientôt sur Instagram pour la prochaine vidéo. Vous pouvez tout simplement regarder la vidéo qui s'affiche ici et ne manquez pas la toute prochaine vidéo. A bientôt.